Hello tout le monde, petite vidéo assez rapide parce que sinon vous allez entendre que dalle parce que je vais tousser. Donc j'ai attaché mes cheveux parce que je ne suis toujours pas au top de ma forme, voilà. Mais comme j'ai reçu du courrier, ça me semblait évident de vous faire la vidéo, voilà. Alors j'ai reçu le courrier d'Isabelle, donc Isabelle, ouais c'est bien ce qu'il semblait. Oh, je n'ai rien pris avec moi, mais ça, hop. Parce qu'elle a décoré mon enveloppe, donc voilà, hop. Et elle a mis vite petit facteur, l'amitié n'attend pas. Donc j'ai la même chose ici, avec des petites fleurs et un papillon. Voilà, donc je repose ça, je l'ouvre. Vous avez vu, hein, je ne l'ai pas encore. Oh là, c'est quoi tout? Oh, du chocolat! Oh, du chocolat! Oh, c'est quoi tout ça? Oh, c'est super! Oh là là, il y a 36 000 trucs. Alors, on a ici des petits embellissements. Donc, on a un petit papillon. On a une fleur. Ici, alors, ici, ici, ici. On a. Hop, à accrocher, c'est super sympa ça. J'adore l'idée. Et une petite épingle avec une petite rose. Hop. Désolée. Je l'avais dit, hein, je suis encore malade. Alors, ici dans le petit sachet, on a plein d'embellissements bois. J'adore tes petits sachets. Hop, je ne vais rien abîmer alors. J'y vais doucement. Voilà. Oh, une bouche. On a une jolie bouche. On a un peu au style couronne. On a un joli cœur. Une arabesque. On a une fleur avec son feuillage. On a un joli cadre. On a un papillon. Un autre cadre, super sympa, et une autre fleur, fleur ou rosace ou comme vous voulez, voilà. Ensuite j'ai un beau sachet bleu comme ça, il est magnifique, j'adore, il est magnifique. Alors, et dans celui-ci on a du ruban, oh génial, comme ceci, hop, avec des petits oiseaux, sur un ton Parme, ouais, violet Parme, très très joli. Hop. Alors le truc c'est que tant que le concours n'est pas fini, je laisse tout dans les enveloppes. Et alors là, c'est trop bien, caramel dur. Et on a des mon chéri. Oh là là, c'est trop, trop, trop. Ça c'est trop, ça c'est trop. Je vais essayer de les laisser dans l'enveloppe sans les manger. C'est pas gagné. Et donc on a hop sa page, hop, avec du joli ruban. Et hop, tout bien emballé, hein. Tout bien emballé, hop, et on a le petit mot ici. Alors le petit, ah non, même pas, je croyais que c'était le petit mot, mais non, c'est une ATC. Ah non, même pas, non, c'est ses goûts, ses couleurs, ce qu'elle n'aime pas, son adresse et tout. Oh, mais merci Isabelle, ça fait super sympa. Je crois que c'était une ATC Lido. Je pourrais presque la ranger dans les ATC d'ailleurs. Et donc sa page, oh elle est magnifique, qui va avec le trop beau, trop trop beau. Alors elle a fait sur une page de vieux livre qu'elle a recollé sur autre chose, avec une jolie image là, un peu vintage. Ça fait très très chabi. Des petits mots, du pochoir avec pas de structure, des tamponnages, une fleur au crochet, une fleur en dentelle, de la dentelle, le tag avec une découpe à l'intérieur, trop fort, oh j'adore, en 3D, et la petite étiquette en bas qui fait très vintage aussi. Hop, donc je vous laisse admirer, et pendant ce temps-là, moi, je vais lire.
C'est gentil. C'est adorable. Et donc, elle me précise, parce que je ne vous ai même pas précisé d'ailleurs, qu'en fait, elle a pchité, comme ça qu'elle dit, pchité de l'encre acrylique, enfin de la peinture acrylique avec de l'eau sur son fond. Voilà, parce que je ne vous en ai même pas parlé. Pas bien. C'est pas bien. Merci beaucoup, Isabelle. Je vais te noter de suite. Je remets tout d'abord dans l'enveloppe pour ne rien perdre. Hop. Et surtout pas les chocolats. Faut que je les cache. Il faudrait pas qu'on vienne les piquer. Hop, le petit ruban. Hop. Je pose ça à côté. Et donc, hop, Isabelle, tu es la 45. Isabelle. Voilà. Je te remercie beaucoup. Je te fais d'énormes bisous. Sans les microbes. Et on continue avec Créa Sophie Scrap. Alors, Créa Sophie Scrap, tu m'as tué. Trop de choses. Il y a déjà trop de choses. Oh, c'est joli. Ah, joli. Hein. Oh, trop bien. Oh, trop bien. Donc, on va commencer par la petite pochette où il y a plein de choses. Et qui vont apparemment avec la page, si je suis bien. Donc, on a une à tes coins. Hop, Amitié fleurie. Une sur une. Impeccable. Il n'y a que moi qui l'ai. Non, c'est magnifique. On a un fou patouille avec un tamponnage. Dans les mêmes tons. On a de la pâte de structure, je pense, là. Parce qu'elle a dû faire son fond et couper après. On a des sequins. Et donc, le tamponnage colorisé au crayon de couleur au milieu. Avec le mot amitié tamponné. Et donc, sur la même, le même principe. On va retrouver l'ATC, donc Amitié fleurie, une sur une. Donc avec toujours les tamponnages colorisés, son fond patouille, le mot amitié, la pâte de structure, donc on retrouve un peu sur le l'AT coin, et toujours son fond patouille avec des tamponnages de fond. Oh, trop beau. Et je pense que tu as utilisé la Magical pour le faire. Ouais, c'est de la Magical. Et donc, on a même la Memorilex, voilà. Oh non, c'était ton anniversaire. Oh, mais je suis à la bourre, moi. Mais, on est en malade, là. Alors, bon anniversaire en retard. Très en retard, même. Mais voilà. Donc, on a toujours son fond patouille, des tamponnages de fond, des petits sequins et les colorisations. Tamponnages colorisés au crayon. Voilà. Donc, ça, c'était la première petite pochette. Donc, je suis trop contente. Pareil, hein, je range. Et donc, sa page de l'amitié. Ah, c'est trouvé corné. Mince. Sur le même. Voilà, donc on a un fond patouille à la Magical, toujours le mot amitié, les petits sequins, les fleurs et les feuillages colorisés. Oh, j'adore cette fleur là, ça ressemble au fuchsia et j'adore, c'est ma fleur préférée. Voilà, on a les mêmes ici en tamponnage de fond, toujours les mêmes tamponnages, pâte de structure et pochoir. Et donc, ah, bah, il y avait des bruchots avec. Merci, j'adore, j'adore. Et donc, qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Ce n'était pas prévu, ça. Moi, je demandais juste une page. Bon, à la limite, une carte. Mais, c'est quoi ça? Oh, trop fort, génial. Ah, oh, bien. Ah, ça, c'est cool, je suis trop contente. J'en cherchais un. Ah, oh, mille merci. Ah, génial, je vais pouvoir m'éclater. Et donc, une impulsive brode. Tu l'as eu où? Ah, peut-être Cultura, parce que je crois que Monali, c'est une marque Cultura. Faudra que j'aille voir à Cultura. Bon, c'est pas à côté, mais... Ah, trop bien. Oh, merci. Et donc, plein de pinceaux. C'est génial. Moi qui me plains toujours que j'ai des gros pinceaux. Là, il y en a des tout fins, des épais, des... Oh, c'est génial. Je te remercie beaucoup, 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 beaucoup. Ah ouais, non, c'est génial. Bon, c'est en plus, hein, donc c'est adorable de ta part, Sophie. C'est même trop. Mais je te remercie énormément, ça me touche beaucoup. Et comme quoi, tu suis bien mes idées. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, je te remercie beaucoup. Et donc, tu es la 46e. Et oui. Alors, hop, 46. Bientôt, j'ai plus de place sur ma feuille. Je ne m'attendais pas à en avoir autant. J'avais fait une toute petite feuille comme ça. Voilà. Mais je ne pensais pas avoir autant de monde.
C'est trop bien. Je suis trop contente. Donc, bah, sur ce, je vais vous laisser. D'ailleurs, vaut mieux. Je vous dis à bientôt. Les vidéos vont être très espacées en ce moment. Bah, pas à cause de ça, là et puis là. De plus, mon mari a été prolongé, donc il apprend pas tout de suite. Voilà. Donc, je vais essayer là de vous faire une vidéo tout de suite, puisque je suis tranquille sur un projet en cours. Donc, c'est pas fini, mais je comptais vous le présenter quand même. Voilà. Donc, je vais pas vous montrer ma tête. Je vais passer directement sur mes mains, ce sera plus simple. Voilà. À bientôt. Ciao, 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 ciao.